Des crédits pas chers, fiables et sécurisés sur le site buyfifacoins.com. Inscrivez-vous en indiquant votre plateforme et suivez bien les instructions. Et n'oubliez pas le code Barry pour 5% de réduction. Lien et info en description. Attention, il y a des risques. Nouvel événement, nouveau joueur, très intéressant à tester. D'après le vote sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à follow au passage. Il y avait plusieurs joueurs différents cette fois, mais j'ai vu que Benedera était très demandé. On va commencer avec aujourd'hui et je vais faire plus tard dans la semaine une review sur les autres joueurs comme Milito. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Le voici les gars, Wissam Benedder, le roi des rats. Dans la communauté anglaise, tout le monde l'appelle comme ça. 1 250 000, un petit snipe sur Xbox. On est d'accord qu'en voyant juste la carte, elle fait trop peur. Hein. Mais bien sûr, surtout ses stats les gars. Et à mon avis, comparé à Dembouz, comparé aux autres joueurs, il est abordable. Bien sûr, il y a Royce, il y a d'autres buteurs qui sont un peu similaires pour moins cher. Mais celui-là, comme on le connaît déjà, pour son body type, il fait très très mal in-game. Hein. Il se passe un like et c'est parti en foot champ. Premier adversaire. Allez, pour le buteur direct. Benedder, on l'a vu, son appel en profondeur. Le renard des surfaces. Oh, dommage. On va dire c'est de ma faute, hein, clairement. Cette fois, on va pas rater. Oh là là. Oh là là les gars. L'adversaire a lâché la chair. Il pouvait pas du tout défendre contre lui. Son agilité est juste incroyable in-game. Et c'était un peu prévisible là, parce que vu ses anciennes cartes, la POTM je crois, toutes ces cartes sont très très fortes. Les espaces là. Allez, pour Benedder. Oh, dommage. J'ai opté pour le poteau le plus près. Mais très bas l'arrêt du gardien. Allez, une doigt avec Neymar. Est-ce qu'on peut percuter? Appel dirigé vers l'arrière. Petit drag back. Oh, oh là là, la précision de ses dribbles et de sa finition. Il a placé ras du poteau. Rien à dire. Le triplé. Ah, c'est Neymar. Bien sûr qu'il la rate, Neymar. Il a pas les 5 étoiles, pas trop de calme. Allez, on t'a vu. Benedder l'appelle en profondeur. Il résiste. Il a touché. Hein. Il a touché. Et tout ça sous pression. Allez, on a la balle. On croise. C'était un timing rouge. Il l'a presque marqué. Allez, tir en finesse. Ouais, elle a pas le trait pour les mettre en lucarne à chaque fois. Allez, il a lancé l'appel. Non, mais c'est injuste. C'est injuste, je suis désolé. J'ai deux buteurs qui ont tous les contres du jeu. R9 et Benedder. 3 buts et déjà triplé de Benedder avant la mi-temps. Le match est déjà plié. On passe au prochain. Bien sûr. Un petit style pour lui. Un peu plus de physique, de tir de loin et de vitesse, pourquoi pas. C'est parfait. Allez, merci pour la balle. Benedder. Est-ce qu'il peut marquer d'ici? Non, j'ai même pas fait le timing. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh, l'appel, il est juste parfait. Dommage pour la passe. Merci. Hein. Aïe, 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 aïe. L'agilité là. L'enchaînement des dribbles. Mais le tir, j'ai un peu fait à l'arrache. Il y a aussi pas trop de tirs de loin, on est d'accord. Hein. Oh là là, le but et la passe. En rabonne, hein, en coup de foulard. Très précise. Et le rush kit, un deuxième rush kit. On a deux gros buteurs. Franchement, si t'as pas une bonne défense en face, tu peux pas rivaliser. On a une belle défense en face. Oh, il est parti. Merci, adversaire. Ok. C'était quoi, ça? Bon, il faut que j'évite d'abord de faire le timing. Hein. Ça va me faciliter tellement la tâche de marquer. Non, mais c'est une blague, là? Oh, le poteau! C'était clair, il a pas trop de tir de loin. Allez, c'est pour toi Benedder, en dos de la défense. Et le but, bien sûr. J'ai cru qu'il l'a raté. Ah oui, il résiste les gars, il résiste. Même Maldini n'a pas pu la rater. Niveau physique, surtout équilibre, il est là. Il est là le Benedder. Oh, double pass. Il va résister. Bien sûr qu'il va le faire. J'ai tenté. Imagine si ça passe. Oh le Benedder. Oh le Benedder. Un vrai aimant de contre favorable comme son ami R9. Personne veut tomber contre eux. Le rat.
Il a toujours les contres. Toujours, toujours, toujours. What? Qu'est-ce qu'il a fait là, R9? Oh, le gameplay est terrible. Oh là là. Ouh! Oh là là, c'était puissant. Le dribble aussi était juste incroyable. Très précis, hein, encore une fois. Palmer tire de loin parce qu'il place pas très bien, mais ça suffit largement pour marquer depuis ces positions-là. Oh, les tirs extérieurs du pied. Il est pas passé loin. Allez, il est parti en profondeur. Il résiste. Pas trop, pas trop. C'est qu'il me plaît en face. Et l'appel n'était pas très bien lancé, malheureusement. On t'a vu, Benedetto. Celui-là, il est pas mal. Hein. Quel arrêt. On t'a vu, Benedetto. Oh là là. Oh là 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 là. Le rush hit, bien sûr. Bien joué, Benedetto. Le petit ball roll. Très précis, encore une fois, le dribble, la finition à terre. Les tirs à terre avec lui, ils sont trop satisfaisants. Depuis les anciens FIFA. Let's go. C'était quoi ça? Oh. Je sais pas comment je rate ça, Nelson. Ça lag trop, mais il est trop fort. Il est trop fort, Benedetto. Oh non! On t'a vu, Benedetto. Allez. Oh le contrôle. Trop fort, let's go ça! On s'arrête ici. Je peux pas faire grand chose à cause du gameplay, mais là... Neda, hein. Oh là là, il résiste en plus. Je peux pas aller marquer. What? Il a fait zéro effort. Timing vert, plein lucarne, volé. On a tout vu dans ce match. Ben, je crois qu'on l'a eu sans triplé. Hein. Quadruplé dans ce match. On passe maintenant vers le bilan. Sima joué 14 buts, une passe D. On a essayé tous ses aspects. Ses points forts sont clairement le dribble, la finition, la passe aussi, j'ai beaucoup aimé. Les passes courtes surtout. Et bien sûr, la vitesse combinée avec ses placements offensifs. Par contre, on a quelques défauts. Je trouve toujours que le tir de loin, ça reste un point faible pour un joueur de ce calibre. Et surtout de ce prix. Et surtout qu'il a pas le traité en finesse pour remplacer le manque de tir de loin. La tête, c'est pas son truc, tout simplement. Le physique, il résiste, mais il peut pas pousser les défenseurs comme Kimpembe. Par contre, il a poussé Maldini, donc ça va. Si vous cherchez un joueur dribbleur, un renard des surfaces, un aimant de contre favorable, vous le connaissez déjà, je crois. Il est là, le Benedetto. Peut-être que je l'aurais gardé s'il avait 5 étoiles de geste technique, mais il y a d'autres joueurs qui m'intéressent. Franchement, il est facile à placer, pas très très cher pour ce qu'il est. Je pense qu'il va baisser jusqu'à les 900 000 après la fin de l'événement. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce joueur, si vous l'avez testé. J'aimerais bien avoir un débat en commentaire pour les gens qui l'ont fait. Alors on est arrivé à la fin, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et on se voit très très bientôt pour une nouvelle. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.